Bonjour, je suis Maryse Privat, votre professeure de langue française. Et pour cette vidéo, vous voyez en fond visuel des tas de photos d'un écrivain français qui s'appelle Jacques Sternberg. Et aujourd'hui, je vais vous lire un de ses micro-contes, de ses mini-contes. Il est expert en la matière. Et pour le moment, la seule activité que vous avez à faire, c'est d'écouter et comprendre. Vous allez voir, c'est très court, mais c'est une histoire complète avec un début, une fin et un certain suspense. Il entra pour la première fois dans ce grand café désert, frappé par le charme désuet de son décor. Il fut assez étonné d'entendre une horloge sonner l'heure, ce qui lui rappela qu'il allait arriver en retard à son bureau. Il était en effet 9 heures, mais l'horloge, bizarrement, ne sonna que 4 coups graves et bien distincts. Dans l'après-midi, il quitta discrètement son travail pour se rendre au vieux café. Il y avait pensé toute la journée. Il se demandait combien de coups l'horloge allait sonner à 4 heures. Elle demeura muette et n'en sonna aucun. Mais la femme qui entra à ce moment-là pour prendre un thé allait devenir la compagne de toute sa vie. Jacques Sternberg, histoire à mourir de vous.